Bad Trip, la vidéo, c'est beau! Résumé de Koh-Lanta numéro 8 en Ardèche avec les Argos. Rémi Argot, non, c'est pourquoi t'as fait oui comme ça. Et Lionel Argot, voilà, c'est maintenant. Et Lionel a vu combien de Koh-Lanta? 1. Voilà, et il va être surpris quand il va voir le nombre de filles sur l'île, je pense. Ça a marché leur stratégie du premier épisode? La stratégie des filles? Ouais. Non? Pas du tout. Martin, désolé, je voulais pas que ce soit ça. T'as vu, Yo, tout ce qui s'est passé? Ouais, il y a vraiment plus... Une fille. Il y a plus Martin? Oui, mais ça, tu l'avais déjà dit dans l'épisode précédent. Ah, tu regardes mes résumés? Ouais. Ah, d'accord, ça va, t'es un peu au courant, alors. Oui. Sauf que t'écoutes pas vraiment quand je dis qu'il y a plus de filles, quoi. Non. C'est tout. Avance un peu. Il regarde les vidéos, ça fait... Résumé de Koh-Lanta numéro 5! Ok. La fin. Voilà. Ah, tu regardes là qui est parti en fait. Ouais. Non, parce que vous avez pas vu toutes les filles. Bah oui, donc ça fait que t'en as pas tous vu non plus. Non, j'en ai loupé aussi quand même quelques-uns. Super, l'amitié, c'est son ami, on lui a offert une télé. J'ai YouTube dessus, je pourrais regarder tous les résumés que t'as mis en ligne. Bah voilà, c'est ce que tu dois faire pour que. Ça, en fait. C'est pour rémunérer la télé, voilà. Tu dois faire ça. En fait, Moundir a fermé sa gueule pendant toute l'aventure. Et en fait, il manipule. Mais vraiment, il a mis avec les mecs et c'est lui qui dit qu'il faut qu'ils partent. C'est hallucinant. Là, il les gère tous. Là, Moundir, s'il se fait pas éliminer autrement, il reste dans l'aventure, quoi. Il a gagné, il est sur les protos, là. Ah! Juste dit, là, les gens, ils savent pas ce que t'as entendu. Martin et Théoura n'ont pas encore rejoint les gens qui vont voter. Je t'ai déjà aidé. Voilà. Enfin, Martin et Théoura sont pas éliminés. Et ils vont faire un face-à-face pour pouvoir revenir dans l'aventure. Et je veux que ce soit Martin qui gagne et que Théoura, et là il se fait foutre. Ah ouais? Ah mais ouais, Martin, il est tellement plus cool que Théoura. Théoura, il peut gagner, bien sûr. Mais Théoura, il ne sait pas faire les problèmes. Parce que je ne sais pas faire pour mentir. C'est juste raciste, mais ça me fait c'est pas raciste. Je l'imite tellement bien. Je vais aller chercher. J'aurais pu dire. J'ai amené la noix coco. On se dirait juste qu'il est pas très honnête en disant je prends mon collier parce que je le vis trop mal de l'avoir. Oui, oui. Là, il est vraiment. Non, mais... Il se fout de la gueule des gens, par exemple. Non, mais Martin est. Mais ton imitation Martin est cool. Marrante. Ouais. Martin, il a fait ses poils entre les deux Koh-Lanta. Hein. C'est... Il y a hein 3 ans, quoi, qui sont passés. 3 ans, et là, pouf, poil dans le calbut. Non, on sent quand même une maturité, un truc. Ouais. On sent qu'il éjacule, mais. Comme un homme. Je connais la ténacité de Martin. J'ai un pas. J'attends que vous riez à ma blague. Je pense que ça va être le cas de la je... Martin, je sens qu'il éjacule comme un homme. Merci. Hashtag seconde chance. Théoura et Martin doivent tenir une barre de fer. Par pression latérale, nous dit Denis. Parce que ce serait une barre de fer, pas par pression latérale, ce serait par pression... J'attends, je suis fatigué, c'est pour ça que j'ai tourné la tête. Horizontal, latéral, l'inverse de latéral, de face. C'était une bonne blague. Jerry, t'as vu? C'est quoi l'inverse de latéral? Bah, c'est l'autre latéral. J'ai un bruit, tu peux recouper. Ça doit faire tellement mal au bras. C'est pas un code barre? Mais non, la mode, c'est les tatouages avec des mots écrits. Moi je pense écrire plein de mots, les mots qui m'ont fait gagner de l'argent dans ma vie. Bite, couille, chatte. C'est tous écrits comme ça. Et comme ça, quand j'ai pas d'idée pour une blague, je ferai. Et ah, le sus ça, et ça le fait, sus ça hein fait longtemps. Ouais, ouais. Ouais, ça va être bizarre. Il le sus, il est mort. Il est mort, il est mort. Et le sus, il est mort. Je sais pas maintenant si je fais des sketchs plus souvent tristes. Moi je pense que je fais maintenant des sketchs plus tristes que vulgaires. Ah égalité. Égalité. J'allais le dire. Égalité, ils ont tous les deux la barre au bord du trou. Les mecs, ils vont dire, ah, tu sais, on va te refaire sortir, et il va faire, bah d'accord. Ouais. Ah, il a essayé. Il a essayé de la faire remonter, ouais, il s'est planté. Et en fait, mais c'est plus intéressant, parce que T, il y allait, il se faisait éliminer par les autres. Martin, c'est celui qui risque de foutre le bordel dans les éliminations. Le prochain, c'est Fid à partir. Moi, je pense que ça méritait un petit « Yes, papa !» Il le fait plus. Il a grandi, il a des poils.
Mundir est dégoûté parce qu'il fomente depuis le début et là on lui dit qu'il y en a un qui va revenir et il se dit qui on va me refoutre dans les pattes. Mais je pense qu'il va voir Martin, il va être content. Laurent, tellement heureux de revoir Martin sur le camp, et il lui prend la main, le soulève du sol et les deux se mettent l'un en face de l'autre et vraiment, on était à deux doigts d'une pelle. Et oui, dans Koh-Lanta, quand tout le monde est ami sur le camp, qu'est-ce qu'on fait? On appelle la famille et on fait un jeu. Un jeu où t'as le droit d'aller avec eux. Et mais là, Emily doit être dégoûtée, Phil, parce que il y a que sa femme. Il y a pas le petit maison. Il y a pas le petit maison. Il y a pas le petit maison. J'ai pas fini, mais c'est vrai. Ils mettent la famille, ils font un jeu, les gens éliminent les autres, et ça crée des rivalités, des haines. Je pense que pour gagner à Koh-Lanta, il faut perdre ce jeu-là. Il faut perdre, genre, moi, je me demande si je casserais pas ma propre cible en disant « Les gars, je suis désolé, hein, je casse ma propre cible, je t'aime beaucoup, toi qui es venu me voir, mais je casse ma propre cible. Tu es venu me voir ?» Non, mais c'est bon. Hein. Ils sont trop mignons, Martin et Clémence. Ils méritent de gagner et d'avoir tout l'amour du monde dans un coffre à 13 heures. Laurent, regardez qui vient pour vous. Un travelo. C'est génial, c'est Chin Chin, mon travelo préféré. En fait, si, là, ce que je ferais, c'est que je louperais tout le temps la cible. C'est Martin. Tu vois? C'est encore Martin. Comme ça, bah, comme ça j'aurais pas à casser des flèches des autres et ils voudraient pas m'éliminer. Il élimine l'autre Philippe. Bon, c'est sûr que ça me ferait chier de pas voir ma meuf. Mais... Où il a pris Mundir? Martin, erreur de stratégie! Et Mundir va le tuer, il va le manger dans son sommeil et lui faire papa! D'un autre côté, si Martin il gagne à chaque fois, bah oui, bah alors c'est logique qu'il gagne. Là tu peux pas lui en vouloir, le mec il a mis une flèche à chaque fois quoi. Est-ce que les autres le font pas exprès? Mais non, je pense pas. À ce point-là, non. Bah, à mon avis, c'est Martin, et c'est justifié que Martin parte avec sa meuf. Est-ce que tu crois qu'il casserait sa propre... Moi je pense que Martin est capable pour son pote. De perdre. Alors, d'un autre côté, c'est peut-être des arcs pas très cool. Peut-être qu'ils sont un peu nuls. Quand même, même. Ah, je sais pas. Même genre sûr que j'en fabrique un dans les bois, je... Quoi? J'en fabrique un, j'en ai... T'as qu'est-ce qu'on va rire demain? J'en ai fabriqué quand j'étais adolescent des arcs. Je sais pas si j'ai le courage de filmer ça, mais vraiment... Lundi, on va dans les bois et tu fabriques un arc et tu tires sur une cible? Ouais. Faut que je trouve un truc flex. Martin, c'est un héros. Denis Brognard, il leur dit, ah là là, vous avez très peu de temps ensemble, alors en bateau, vous allez perdre du temps. Donc nous allons vous faire partir en TGV. Et là, tous les arbres, ils tombent et tout, et il y a des rails qui arrivent, qui se déroulent, comme ça, il y a un TGV, et celui qui conduit, c'est le capitaine Crochet. Laurent s'aime bien. Laurent nous montre son cul, et donc les noirs bronzent. Ah, donc c'est bien ça, il l'a dit Laurent, il a annoncé, ils font caca et pipi dans la mer, voilà. Et là, il faut bien qu'il se rappelle qu'il est dans une baignoire, sinon son pote va voir un sous-marin arriver à la surface, poum. Son pote, le Matt, à Walp, dans la baignoire, il est en face, il est, ok, voilà, tranquille. Pour un couple, et là, ça marche pas. Mais en fait, Laurent, il n'ose pas dire qu'il est avec ce mec. Le mec, il le regarde dans la baignoire, après, ils boivent un verre en croisant les mains, comme ça, enfin... Ok. Putain, Laurent et ses amis, ils ont tous des looks improbables, quoi. On dirait un concours de looks moches. Donc Mundir et Philippe veulent faire partir Laurent, puisque de toute façon, Martin, il a un collier d'immunité. Mais si Laurent a l'immunité et que Martin a un collier d'immunité, les deux sont quasiment sûrs d'être sur les poteaux, sauf perte du jeu de l'orientation, bien sûr. Elle me voit sur des poteaux avec des cœurs et tout. Sa fille, elle a écrit d'amour, D-A-M-O-U-R. Oui, je sais, je peux fermer ma gueule. Beaucoup de flashbacks dans ces Koh-Lanta, je trouve. Je trouve que peu d'aventures sur le camp, finalement. Les mecs ont trop l'habitude. Des flashbacks ou trop de bouffe. Ouais, flashbacks et on les voit manger. Et des fois, des flashbacks de eux qui mangent. Alors là, c'est... L'épreuve des bambous. Bah, tout le monde peut gagner cette épreuve. Donc, on sait pas là vraiment qui va gagner l'immunité. Moi, je vois Laurent et Martin protégés, hein, un par un collier, l'autre par le truc d'immunité, et je les vois aller en finale. Hein.
Ils ont pas le droit de mettre les mains plus haut que... Non, que le... Ouais, ça, ils ont changé, ça. Ah oui, parce que... Oui. Sinon, ça durait trop longtemps et Denis voulait rentrer à l'hôtel. C'est déjà mieux, quoi. Ouais. Ah, c'est Denis, il a demandé ça, il fait... Denis, il dit... je veux qu'il y ait une petite bout de ficelle, parce que sinon, après, c'est chiant, parce que... Voilà, Philippe perdu, il reste plus que Martin et Laurent. Quoi, Martin, il a pas laissé l'immunité à Laurent, alors que c'est son pote. Ah, les autres sont dégoûtés que Martin soit revenu. Il est en finale! Yes, papa! Hashtag la pire place, Koh-Lanta. Attends, Moundir qui calcule depuis le début, et là il dit d'un coup, il dit ouais, je vais voter Laurent. Il y a Moundir qui se gratte les couilles sur l'île et qui dit, dis-moi ce que tu ressens, Laurent. Et il se gratte bien les couilles. Au milieu, Phil! Eh oui, au milieu, Phil. Phil qui n'a rien fait. Pas gagné d'épreuves, pas tissé de lien plus que ça, et pas fomenté, Phil. Voilà. Phil ne veut même pas faire stratégie, donc il dit, ouais, allez, c'est bon, je pars. Et le mec, il est ouf, quoi. Vous êtes quatre mecs qui en vaut la chandelle. Votez contre moi. Mais le mec, il accepte de sauter, quoi. Il est fou. On fait pas ça. Parce que tout le monde doit faire. Ok. J'ai oublié ce que j'allais dire. C'est le conseil. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est le conseil. Et on va savoir qui va partir. Phil a dit qu'il voulait se faire éliminer. On a d'un côté Martin, Laurent, de l'autre côté Philippe et Moundir. Tout est possible. Je suis fatigué. Tu fais vraiment mal, le mec qui est pas fatigué. Le vote de Phil est peut-être déterminant. Hein. Mais si quelqu'un a voté Philippe, ça veut dire qu'ils n'ont pas voté Phil comme Phil l'avait demandé. Donc on ne sait pas qui va partir. Mais on est d'accord que ça va être Laurent. Et donc ils sont dans la merde. Ah ! Putain, je croyais qu'il avait voté Moundir. Je savais pas qu'il avait voté Philippe Théoura. Putain, Philippe s'est fait éliminer, mais à combien de voix ? J'ai rien compris de qui a voté pour qui. Mais j'aurais pas cru que ce Philippe parte. Vraiment. Mais bon, d'un autre côté, les gars, ils ont dû dire, il a déjà gagné Koh-Lanta, le gars, il a déjà du pognon, c'est bon, qu'il aille rempailler des chaises, hein, bon. Koh-Lanta, c'est que dans 15 jours, et c'est la finale! Mais qu'est-ce que je vais mettre sur mon blog? Voilà, bah, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour le dernier... Ah, mais non, aussi. Voilà, je comprends plus rien. Mais en tout cas, on se retrouve pour le dernier résumé de Koh-Lanta dans 15 jours. Une semaine? Ah, tu dors entre temps ou quoi? Ah, franchement, ça va pas en ce moment. Hey! Et si tu m'aimes, clique là. Clique là si tu m'aimes. Tu peux même cliquer plusieurs fois. Oh! 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 Mais t'es une fille. Ah non. Pourtant! Que la montagne est belle.